Bienvenue sur En Casse la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de jambalaya. Une recette qui nous vient tout droit de la Louisiane, mais aujourd'hui, on va vous proposer une version végétarienne. Alors, pour le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Les ingrédients pour cette recette. Un oignon, de l'ail, poivron rouge, du citron vert, un bouquet garni, du bouillon de légumes, du céleri, de paprika fumée, de piment de cayenne, d'origan, de pois chiches, de tomates, de maïs, de haricots rouges, de sauce soja et de riz rond. On commence par simplement couper les différents légumes en lamelles. Donc ici, tout simplement pour l'oignon. On ne va pas faire plus compliqué que ça, ça va bien fondre dans la préparation. Même chose pour le poivron, simplement des lamelles comme ça. On va laisser des morceaux assez grands quand même. Pour le céleri, juste des petits morceaux comme ça, des petits tronçons. Et pour l'ail, sous la lame du couteau, et on vient la presser. Après avoir fait chauffer un peu d'huile dans une cocotte en fonte, on ajoute les oignons, qu'on va faire revenir quelques minutes. Après 2 minutes, on peut ajouter les gousses d'ail écrasées, le céleri, et les poivrons rouges. On va laisser cuire quelques minutes sur le feu moyen doux. Quand les légumes sont un peu plus tendres, on peut ajouter les tomates concassées, le litre de bouillon de légumes, le piment de cayenne, le paprika fumé et l'origan. Puis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja, le bouquet garni, thym et laurier, on peut ajouter le riz, on remonte le feu pour porter le tout à ébullition. Quand ça bout, on peut couvrir, baisser le feu et laisser cuire une trentaine de minutes. Et enfin, quand le riz est cuit, on va pouvoir venir ajouter le maïs, les haricots rouges et les pois chiches. Il nous restera plus qu'à mélanger avant de servir. Si cette recette vous a plu, sachez que sur la chaîne, vous pouvez déjà trouver d'autres recettes de la Louisiane, notamment le gombo. En version végétarienne et en version classique. Alors, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.